je parlerai de trois niveaux. Le premier niveau, et je parle essentiellement bien sûr des zones rurales, c'est les femmes, le groupe de femmes qui sont analphabètes. Là, le besoin est énorme en matière d'éducation, de formation, de suivi, d'accompagnement intensif. Le deuxième niveau, ce sont les jeunes diplômés qui représentent un potentiel énorme pour les zones rurales et également c'est un soutien pour l'accès au financement, pour créer leurs propres petites entreprises, que ce soit dans le secteur dans les secteurs agricoles, que ce soit dans les secteurs des services. Et puis le troisième niveau, ce sont les femmes entrepreneurs qui ont réussi par leurs propres moyens, qui sont arrivées donc à faire des expériences très réussies et qui ont besoin soit d'une mise à l'échelle, soit en tant que femmes de leur zone rurale ou même d'autres régions, qu'on puisse reproduire ce genre de succès ailleurs.